Alors, est-ce que tu peux te mettre juste ici? Merci. Okay, Marta Cavalier, how are you today? Bonjour Evita. Bonjour. Réveil très très tôt ce matin déjà. La première question, est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez pu prendre votre petit déjeuner tranquillement? Bien dormi, on va dire oui, mais la nuit a été très courte. C'est vrai que le réveil a sonné à 5h et on est parti à 6h. Donc pas facile, mais là maintenant on est bien réveillé. Alors, vous sortez avec Marta Cavalli de 10 jours magnifiques pour l'équipe. J'imagine qu'il y a une sorte d'euphorie. Comment, dans quel état d'esprit vous êtes au départ de Liège? On va dire qu'on est surmotivé, on est vraiment dans une bonne dynamique et on aimerait faire le triplé. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, on a l'opportunité. Forcément, on sera plus surveillé que d'habitude. C'est vrai que là, en ayant gagné les deux dernières courses, Marta sera très attendue, mais on a aussi une équipe avec plusieurs cartes qui vont peser sur le final. Donc voilà, on va essayer de ramener cette victoire. Comment tu la vois, la course? Est-ce que toi, tu auras un rôle particulier à un moment de la course, avant la redoute ou après? Je vois plutôt une course de mouvement un peu plus dynamique que sur la flèche. C'est vrai que la flèche, souvent, tout se fait quand même dans le mur final, alors que là, souvent, il y a quand même pas mal de mouvements avant. Donc, ça sera plus mon job aussi d'essayer de partir dans une échappée, prendre un peu d'avance pour être là dans le final, parce que c'est vrai qu'après mon hiver, je ne suis pas encore au top de ma forme. Donc, je vais essayer d'aider au maximum mes coéquipiers. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Un triplé? Ah bah oui. Vous y croyez? Bah oui, il faut y croire, hein, sinon on n'y arrive pas. Et est-ce que le regard des autres coureuses ont changé sur votre équipe ces derniers jours? Est-ce que vous ressentez un nouveau regard? Je pense que oui, c'est vrai que déjà on voit pas mal de monde autour de Marta, même hier la présentation, en plus c'est vrai qu'on était avec les garçons, il y avait énormément de monde et Marta elle a mis une demi-heure à revenir jusqu'au camion parce que tout le monde voulait un autographe ou des photos, même nous. Et je pense que maintenant oui, les autres équipes vont plus se méfier de nous. Avant on était moins surveillés et là je pense que si on attaque, on va dans l'échappée. Bon, très bien. Merci Vita, bonne chance. Merci. Merci beaucoup.